Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac de voyage Aterolon 40 de l'eau alpine. C'est un sac qui est compatible avec le transport aérien en cabine. Donc pensez toujours quand même à vérifier selon la compagnie aérienne les dimensions autorisées. Et c'est un sac qui est intéressant parce qu'il combine un système de transport à roulettes, donc très pratique pour se déplacer là où le terrain permet d'utiliser les roulettes. Mais on peut également y fixer des bretelles pour le porter comme un sac à dos. Autre détail intéressant, il est facile à prendre en main puisqu'on va avoir une poignée matelassée sur le dessus, une poignée matelassée sur le côté, une poignée métal sur le dessous, donc il va être très facile à agripper, notamment dans les transports, sur les tapis roulants d'aéroport, etc. Côté roulette, donc, on est sur un système de roulette vraiment costaud, bien protégés, donc qui vont être un peu tout terrain. Et puis on va retrouver cette robustesse au niveau du manche, donc du double manche qui va permettre de le transporter facilement avec les roulettes. Il se déploie de cette façon et donc, quelle que soit la taille de la personne, on va pouvoir le transporter facilement. Côté rangement maintenant, on a deux poches principales, donc une poche en façade. Alors à noter qu'on a systématiquement du gros zip YKK très costaud avec possibilité de solidariser les zips avec un petit cadenas. Donc je vous disais, une poche en façade qui contient elle-même un compartiment rembourré qui peut permettre d'y glisser un petit ordinateur ou une tablette. Et puis des petites poches filées, zippées pour y ranger également quelques affaires. On a ensuite un compartiment principal. Je vous montre rapidement le système de zip, donc avec la fermeture possible par cadenas. Donc un compartiment principal avec une grande ouverture valise. Donc le compartiment dispose de sangles pour pouvoir tenir les vêtements. Et puis à l'intérieur également, une poche zippée filée pour y ranger les vêtements sales par exemple. On a enfin des sangles de compression pour le comprimer si besoin, si on l'a chargé un peu trop copieusement. Alors, on dispose aussi d'un système de bretelles amovibles qui va permettre de transformer le sac en sac à dos pour pouvoir là aussi le porter facilement si on a besoin de le porter pendant un certain temps sur un terrain où il ne sera pas possible de faire rouler le sac. Donc on a un système assez simple de clip. Et qui va permettre donc de le porter en sac à dos. Donc on a deux fixations sur la partie haute. Deux fixations sur le côté également. Pour avoir la version sac à dos. En résumé, c'est un sac qui est intéressant pour la polyvalence de portage et puis pour la facilité de rangement également. Vous le retrouvez sur rayonrando.com.